Fremsem, bonjour, son plaisir pour nous capables ensemble avec vous matin, qui c'est dimanche 30 avril, pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Nous invitons au BCT tout pour nous capables prier. Éternel Dieu, papa nous qui n'en sommes là, nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour l'amour. Alors ce que Seigneur Dieu nous réveille matin, nous venons au moment côté que nous allons ensemble étudier le son école sabbat, qui est capable d'imprégner nous de Saint-Esprit, de manière à ce que nous capables comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin. Avec nous dirigez-nous, nous pas bon pas dit, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Nous disons bienvenue encore une fois, nous avons étudié 6e leçon 1 qui gagne pour titre l'heure de son jugement. Verset à mémoriser, je lis dans Romains 13 verset 11 et 12 qui dit comme ça. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Amen. Eh bien, pour journée dimanche 30 avril, cette leçon c'est la purification du sanctuaire. Purification sanctuaire. Là, de qui sanctuaire y a parlé? Est-ce que c'est sanctuaire terrestre là? Est-ce que c'est sanctuaire et céleste là? Pour qui ça sanctuaire là a besoin purifier? Eh bien, comme nous t'avons déjà, l'idou doit gagner un jugement avant la venue du Christ. Ça veut dire que pas penser que c'est le Jésus vini que jugement va le gagner, c'est le sale jugement va le faire. Mais le Jésus vini, c'est la phase finale jugement. Mais le jugement, il déjà commencé. C'est ça fait l'ange, lui-même, lui a annoncé avec une voix forte. Dans Apocalypse 14, verset 7, il dit, l'heure de son jugement est venue. Eh bien, livre Daniel, là, il bat nous moment côté jugement commencé. C'est ça fait, moi, invité nous lire ensemble. Dans Daniel 8, verset 14. Le nous lit dans Daniel 8, verset 14, qui ça le dit nous? Il dit nous comme ça. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Qui calendrier spécifique Daniel ba nous concernant la purification du sanctuaire? Eh bien, selon le texte à nous lire, hein, Daniel 8, verset 14, eh bien, il y a pour passer 2300 soirées matin, et puis tout, sanctuaire l'a purifié. Pas oublier que dans les études prophétiques, 2000 et un jour égal à une année. Donc, 2300 années doivent passer, et puis sanctuaire l'a lui-même a purifié. Eh bien, chaque juif, il y a des gagnants, compréhension claire de la signification de la purification du sanctuaire terrestre. Eh bien, purification sanctuaire terrestre, elle était qu'on fait le jour des expiations, qui était le jour du jugement. Chaque année, juif, il était qu'on fait une cérémonie, un jour de purification, qui était relé Yom Kippour. Eh bien, jusqu'à présent, juif a toujours fait bagay ça. Chaque année, juif a toujours fait cérémonie de purification ça. Mais est-ce que, à travers la venue de Jésus-Christ, nous devons faire? Eh bien, non. Nous pas devons faire. Eh bien, rapidement, nous pral présentons un texte qui montre nous que, ensemble de fêtes ça yo, ensemble de cérémonies de purification ça yo, qui te reste, est-ce que nous-mêmes, nous devons faire? Eh bien, l'on lit dans Hébreux 9, verset 23-24, il dit, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça veut dire que selon le texte, Hébreux 9, verset 23 à 24, actuellement là, le souverain sacrificateur qui est capable de faire l'expiation des péchés, qui est capable de faire Yom Kippour, qui est capable de faire le jour des expiations, eh bien, c'est Christ que lié. Ok? C'est Christ que lié. Donc, faites ça, nous pas gagner pour observer sur la terre. Parce que, pas gagner sanctuaire sous terre là, depuis l'heure que Jésus-Christ mourit, le sanctuaire voit le temple déchiré en deux. Ça veut dire que pas gain sous terre, pas gagné sanctuaire encore, mais le sanctuaire lit dans le ciel et moun qui a officié, c'est Jésus-Christ lui-même qui a officié pour nous.
OK? On nous continue avec le son. Hein? Donc, Daniel, bien que Daniel, il était comprendre le concept purification sanctuaire là et jugement, mais il était confus de 2300 soir et matin. Ça veut dire Daniel pas te connaît, Daniel te recevoir prophétie, hein? Mais Daniel pas te connaît, il pas te comprendre, il pas te comprendre qui gens que purification ça va le faire, qui pour qui t'en lié, eh bien et nous voit que Daniel t'est accablé, Daniel t'est gain problème. Mais nous voit que bon Dieu va le bailler Daniel réponse. Eh bien c'est ça qui est intéressant, oui. Lorsque bon Dieu bon une vision, lui même encore il pas le bon réponse. Des fois nous a bailler tête nous problème, nous gain des bagages nous pas comprendre. Eh bien c'est mandé pour demander bon Dieu explication parce que lui-même il prêt pour ba nous explication, il prêt pour aider nous comprendre parce que c'est lui-même qui gagne toute la vérité, c'est lui-même qui gagne toute intelligence, toute science. Eh bien demandez nous pour nous lire Daniel 8 verset 27 et Daniel 9 verset 21 et 22. Les nous fin lit deux textes ça yo, nous à répondre question ça. Qui réponse Daniel et à vision 2300 jours là? Et qui réponse et bon Dieu parli par rapport avec et prophétie ça. Eh ben nous parlons ouais qui ça bon Dieu dit Daniel qui réponse que bon Dieu bail Daniel par rapport à prophétie ça. Donc on nous lit deux textes ça. Daniel 8 verset 27. Moi Daniel je fus plusieurs jours languissant et malade puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et une personne et personne n'a eu connaissance. Eh bien selon le texte à nous Daniel, il passait plusieurs jours il malade parce que il était étonné de vision et il pas connaît, il pas comprendre ni et il pas dit à quel monde ça. Daniel 9 verset 21 et 22, qui ça dit? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi de vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Eh bien, ça nous est qui est intéressant là dans Daniel 9, verset 21. Daniel dit comme ça, je parlais encore dans ma prière. Ça dit que Daniel, c'est pas littéralement joué une vision, hein. Il n'a pas compris ni un peu tout, il était comme ça. Mais nous voyons que l'ité a prié bon Dieu pour bon Dieu capable expliquer le vision. L'ité a cherché réponse. Eh bien, c'est comme ça, bon Dieu voyait l'ange Gabriel pour venir expliquer le vision. Eh bien, à la fin de Daniel 8, Daniel évanoui et lui dit que l'y étonné et pas un monde qui t'ait connaissance de vision, genre que nous sommes expliqués là. Mais après ça, qui sort de comprendre, qui sort de retenu de prophétie 2300 soir et matin. 2300 soir et matin égale à 2300 jours. 2300 jours avec principe de yon jour égale yon année égale à 2300 années. Et bien 2300 années ça yo, qui l'a commencé, qui l'a fini. Et bien c'est ça qui fait tout. Dans le même chapitre là, yon parlait de 70 semaines. 70 semaines dans son détail de tout ça qui vient pour passer et jusqu'à la venue de Jésus. Mais période ça a commencé en 457 avant Jésus-Christ. OK, 457 avant Jésus-Christ, c'est là ça décret pour reconstruire le temple Jérusalem là, il était bail. Et nous connaît que selon prophétie, il est venu chez les soins et les siens ne l'ont point reçu. Ça dit que il a fallu que le peuple Israël retourne à Jérusalem, il retourne en Israël pour quitter Babylone, pour retourner en Israël de manière à ce que Messie est capable de venir qui bon, est capable de venir en Israël, la caille pas lieu, la caille et qui n'a lieu, pour de manière à ce que prophétie est capable d'accomplir. Donc nous, Jésus est venu chez les siens et non à Babylone. Donc c'est ça qui fait que poussé par l'Esprit de Dieu, le roi et Artaxerxès, déjà d'après yon l'ordre que roi Cyrus de Perse te bay, et bien Artaxerxès lui-même, li pral permettre que et peuple Israël là li sorti. Donc commencement prophétie c'est l'an 457 avant Jésus-Christ. Et bien prophétie ça et période 2300 années li pral fini en l'an 1844. En l'an 1844. Eh bien, et pour capable de comprendre ça, il y a un petit calcul tout coûte pour capable faire. Eh bien, qui ça va faire?
ou après moins 457 qui c'est année de créa bay la plus 2300 plus 1 la vin bon 1844. Pour qui ça ou ajouter plus 1, c'est parce que pa gen année 0. Donc moins 457, donc 457 avant Jésus-Christ, c'est les décrets bay pour temple la reconstruit pour peuple Israël retourner. Plus 2300, c'est 2300 que Daniel et Daniel 8 verset 14 mentionné, hein? Plus 1 qui bon 1844. Donc nous t'ai nous a dit comme ça. Nous en relis de Daniel 8 verset 14 ans puis nous a remplacé et année. N'a dit et il me dit 2300 année, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, après 2300 années, soit en l'année 1844, la purification du sanctuaire li a commencé. Et, nous voyons l'autre texte pour capable corriger ça nous se dit, hein? Eh bien, c'est Hébreu 9, Hébreu 9, verset 24 qui dit comme ça, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Amen. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. On continue, verset 26. Qui ça, verset 26 a dit? Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il parut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ça veut dire que, tout selon Texas, Hébreu 9, du verset 24 au verset 26, ça veut dire que, même si des sacrifices du sanctuaire étaient faits sous la terre, dans cette terre là, mille et mille fois depuis le commencement du monde, depuis que le peuple Israël a lui-même existait, eh bien ça n'a pas jamais suffi. Il a fallu que Jésus-Christ seul coule une fois de manière à ce que lui-même soit capable de faire l'expiation pour nous. Ça veut dire que je dis, hein, selon le texte, qui était l'entrée, il est entré dans le sanctuaire céleste. Donc, c'est depuis 1844, la purification du sanctuaire, lui-même, lui commencé, frère monsieur. Eh bien, c'est un moment, quand on a vivre, quand que, depuis la purification du sanctuaire, lui fait, c'est le jugement qui commençait. Parce que, pour qui ça? Parce que la purification du sanctuaire, c'est un période, quand que tout péché peuple, lui passé en revue. Selon le cérémonie Yom Kippour, tout péché peuple, lui passé en revue. Eh bien, péché peuple passé en revue, eh bien, pour péché ça, vous capable de pardonner. Donc, c'est de même, dans le moment ça, péché l'humanité a passé en revue depuis 1844. Péché l'humanité a passé en revue dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Donc, c'est moment, frère Sem, pour nous connaître que faut que nous rangions pied. C'est moment pour nous connaître que faut que nous faisons le nécessaire pour nous laisser de côté le péché parce que ces moments purification sanctuaire qui a fait. Donc, petite question, c'était la purification du sanctuaire. Donc, la purification du grand sanctuaire, liée directement avec le jugement. Donc, c'est comme ça nous présentons le soir, frère Sem. Que mon Dieu, l'amour infini, il est capable d'aider. Que ou même tout capable d'avoir le désir pour marcher droite. Le désir pour faire effort de manière à ce que, et bon Dieu lui-même, il est capable de permettre que, ou là, avec les mérites de Jésus-Christ, au temps de la résurrection. Nous invitons à baisser tête tout pour nous capables de prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui sommes celle-là. Merci pour grâce, merci pour l'amour. Alors que Seigneur Dieu, nous sommes étudiés par nous, Seigneur. Nous sommes ouais que, il y a un ministère qui commençait dans le ciel depuis en 1844, qui c'est la purification du sanctuaire. La purification du sanctuaire, il lui est au jugement, Seigneur. Ça veut dire que l'instruction du jugement, de commencer. Les livres y ont déjà ouvri. Nous voyons que Seigneur Dieu, les péchés du monde y a passé en revue. Mais Seigneur Dieu, péché pas m'a passé en revue. Péché frère qui a étudié matin a passé en revue. Péché sœur qui a étudié matin a passé en revue. Mais Seigneur, si y a l'ombre de yon péché qui peut qu'on pardonner, mais Seigneur Dieu, qu'on pardonne pour nous matin, Seigneur. Avec nous dit, je nous ne pas bon, pas digne, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen.
Merci et merci encore une fois parce que vous toujours étudiez avec nous chaque matin, que vous capable de partager le son avec yon l'autre ami, que zami ça tout li capable toucher de message là et que bon Dieu capable bénir, capable permettre que le marché en nouveauté de vie. Ah, merci, c'était frère nous Ismaël chéri qui était ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse.